Minasan konnichiwa. J'ai toujours envie de le faire, ça. C'est Virtua Synthèse, moi, je suis Vince. Et je vous retrouve aujourd'hui sur IMHHW. Ouh, If My Heart Had Wings. T'as vu comment je prononce bien, rapidement, comme ça? Il y a de l'entraînement là-dedans. Et résumé des épisodes précédents, encore une fois, j'ai oublié de regarder la vidéo que j'ai faite avant, donc je ne me rappelle plus. Mais c'est pas grave, parce que vous allez regarder la vidéo qui était juste avant, si vous avez raté, comme ça, vous allez reprendre le cours de l'histoire. Nous sommes donc avec Amane, hein, la senpai un peu chelou qui fait des avions. Ah, ok, donc oui, j'ai récupéré la pièce qui lui manquait pour son planeur. Donc elle devrait être contente, elle va me faire des bisous. Je sais, je suis trop fort. Ah oui. Ça, c'est de la senpai, tu vois. Ça fait fouche quand tu lui donnes une pièce d'avion. Ah, de rien. Tu peux me payer en nature si tu veux. Ah, t'es jalouse, hein? Toi aussi, t'es jalouse, hein? Vous êtes toute jalouse. C'est la vie. Il faut savoir hein, quand même qu'au Japon, le contact physique, c'est pas courant. Hein. On se touche même pas la main pour se saluer, on salue loin. Donc le contact physique, c'est particulier. En plus, le sexe opposé à cet âge-là, en général, c'est pas courant du tout. C'est pour ça, hein, en fait, hein, que ça choque tout le monde. Hein. Elle me fait ni sur ma tête. C'est très affectif. En général, on fait ça aux enfants. Bon. Ak, oh, ouch. Hey, that's a matter. Ça me fait mal. C'est quoi cette manière, cette déduction? Je ne sais pas exprimer un remerciement que je kanchasuru. Donc, je suis débile. Voilà. Donc maintenant tu le sais, hein, si tu ne dis jamais merci, tu es un gros débile. Enfin, c'est pas complètement faux en un sens, mais enfin bon. Rub rub. C'est bien, on apprend des petits onomatopées en anglais, c'est pas mal. It, ça fait mal ici, mais ça feel good ici. Ou ici. T'as rien dit. son ample poitrine, mon gars. C'est pas de la poitrine, c'est de la poitrine ample. Sérieux, y'a un... Yarashi. J'ai pas du tout d'idée pervers, j'étais en train de réfléchir à comment vole un avion. Dit le mec avec le filet de bave. Ouais, bon ouais, fini les nibars là, c'est l'heure de manger. Ok. Vas-y, lâche-moi toi maintenant, c'est bon, là, on va manger là. T'as cru quoi hein? Avec tes gros seins. Tiens, là, dégage. Elle est collée à lui comme un chien qui a envie de jouer. Use them. J'utilise tes seins. T'occupe, je suis trop fort, c'est un super contact à moi. Je vais lui expliquer comment il a récupéré la pièce. Hein. Je vais pas vous la faire, vous irez voir l'épisode précédent. Tu veux pas manger d'abord? Bon, tant pis. Amane-senpai, oui, plutôt, ouais. Vas-y, c'est bon là, une gonzesse fraîche avec des gros seins qui me touchent. Il est content, hein. C'est normal. Oui, un homme normal, oui. Bah pourquoi tu me suis, toi, déjà? Ah, toi? Parce que là, elle monte devant, mais elle monte à côté, en fait. Hein. Ah bon, tu veux lui demander quoi, la senpai? Ah, toi, t'es jalouse de tout le monde, de toute façon. Hein. Vas-y, je te pousserai ton chariot après, si tu veux. Our secret place? Ah, secret place, il parle du hangar pourri. Quoi?
Ah putain, vas-y, ne refais pas un cours sur le glider, ça va être relou. Vas-y! Putain, c'est un putain de planeur, tu le propulses et ça vole! Avec l'air chaud, l'air froid, terminé! Je vous le passe, on va pas se taper. Là, on apprend une petite info. Je sais pas si vous le saviez, mais en fait, elle dit qu'on peut le lancer comme un cerf-volant. En fait, tu le tires et ça le fait décoller. Si tu tires assez vite. Ouais, elle est occupée par son bricolage, mais elle est toujours comme ça en même temps. Hein. Ouais, tu essaieras de pas t'écraser. Hein. C'est qui, Hisuka? Elle parle de voler dans le ciel dont il parlait Hisuka, mais... Attention, nous avons une japonaise qui va passer derrière moi dans quelques instants. Ou pas? Non, elle va ramper derrière, mais on la verra quand même, vu comment la... Voilà. Vous dites bonjour à la mienne de ponaise, hein. Non, mais elle est grillée, là. Putain, tu vas ramper jusqu'au bout? C'est épique! Attends! Oui, pour une fois, le spectacle se passe en dehors du jeu, je suis désolé. Elle est en train de détruire le frigo, du coup. Elle va me faire la gueule, après. Hein. Elle va me taper. Attends, je t'occupe, ferme le frigo, ça va. T'as témoin des skedo. Mitsini! Fan ga kuruzo! Voilà, donc si vous aimez ma femme, pas trop quand même, c'est ma femme, abonnez-vous à sa chaîne! Bah tiens, je vous mettrai son Twitter dans les descriptions! Bon, si on en revenait à nos moutons, hein, on était entre les gros boobs et les deux gonzesses jalouses. Hein. What's up, yeah man! Ah, deuxième retour? D'accord, ouais, c'est les monos? Ça, c'est mon iPad. Allez là! Chier, chier! Bon, je crois qu'on est plus contre hommes. Hein. Ou entre hommes et femmes, c'est. Ok, what's up? Quoi, t'as tes règles? Comment ça, ça n'a aucun rapport? Girl's voice. Je m'en étais pas rendu compte, dis donc. Je pensais que c'était un homme. Oh! Bah t'es qui toi? Seigneur came into the garage. Senpai! Y'a même pas qui c'est. Girl who seem like a senior. Putain, la description, mon gars. Who the hell is she? Un mec. A bewildered face. Like, who the hell is she? Bon, d'accord. Kumoi Akari. C'est la vice-présidente du conseil des étudiants. En général, c'est quelqu'un d'assez important parmi les étudiants. What on earth does she want? What the fuck? Je kiffe Amane. Ah, c'est Amane. Je ne sais même pas son nom de famille, je crois. C'est la senpai de tout le monde, elle est trop vieille. Ah, mais elle va se prendre une plaque s'il répond pas. Yo! Tino! Fukukaicho. Kaicho. Ouais, je sais pas, hein. C'est pas parce qu'elle lui parle en famille qu'elles ont une relation proche, c'est juste qu'elle est plus vieille qu'elle. The matter in question. What? What? Ils sont en train de parler un truc, il n'y a pas le sujet là. C'est super le japonais, tu peux faire une phrase sans sujet. Oui, je suis avec elle. Et j'ai touché ses boobs il y a 5 minutes. Ouais, some parts. Ouais. Vas-y, tu vas pas nous les casser là, le club il marche, regarde, on est 4 dedans. C'est ça la règle, normalement c'est 4 dans un club pour le maintenir. Bon.
Oula, elle est très très fâchée. Bah, si c'est une question de membres, on est quatre, bordel. Si tu fermes le club, je te casse la tête. Je vais serrer, casse-toi. Ah, c'est bon, personne n'est mort non plus. Il n'est pas fermé ton club encore. Elle a mal dans elle. Attention! Kotoli sort son doigt. Kling! Ouais, sécheuse professionnelle depuis 4 générations. Et alors? Tu devrais faire de la politique, je trouve que t'as un argumentaire assez travaillé. Hein. Bah, Tokubetsu na hito, mais pas. Je suis pas sûr que c'était pour ça qu'elle le faisait, redoubler pour rester dans son club, en tout cas le maintenir, mais maintenant que t'as balancé ça, peut-être qu'elle va réagir. Ok, on n'a pas... Gros, elle vient de leur dire, vous fermez vos gueules, vous avez pas... Je vous demande pas votre avis. Toi, je t'aime pas. Comme d'habitude, hein, le fond du problème, c'est le pognon. En fait, un club, ça veut dire avoir un budget pour le club. Le club de Taiko, mais on s'en branle, les mecs ils tapent sur des tam-tams. Vas-y, lâche-nous, on fait des avions là. Non, je sais pas ce qu'ils ont dit, puis je m'en fous. Merci Kotori, on s'en branle. On les emmerde. C'est facile. Et écoute, si on prend déjà Amane et qu'on compte ses boobs comme une personne à part entière, déjà ça fait 3 personnes. Oui, je suis désolé. Vas-y, Kotori, la balance. On leur demande pas leur avis. Hey, déjà, les autres avec leur tam-tam, là on est en plein été, ils peuvent aller en faire dehors. Voilà. 先生方が特例を認めるのも Une autre raison, à part que les professeurs reconnaissent que fabriquer des avions c'est un peu plus intéressant pour l'école que de faire du tam-tam. Je sais pas, et coucher avec le prof peut-être un mané, hein. Attends, elle est en train de retaper un avion, sérieusement. Je l'aime pas. Vas-y, viens, on vient dans ton club. Si l'avion n'est pas prêt, c'est pas la peine de t'écraser pour garder un club ouvert non plus. C'était plusieurs tout. Ben non! Ah ouais, en plus elle fait ses leçons de vol pendant les cours, c'est pas clair, ça le fait pas, hein. Bah, Agia, elle abandonne son club de je sais pas trop quoi, et voilà, on est 4 et puis basta. Ouais. Elle le fait vraiment que pour elle, l'avion, je suis pas sûr, il y a un truc derrière. Il y a un homme dans l'histoire.
Vas-y, Kotori. Je te soutiens. Hi, John. Yay, moi aussi. Look at... Putain, elle raise la hand comme moi. Putain, je suis trop beau. Ouais, je cherche une copine si t'es intéressé. Ah, les ghost members, c'est les gens qui ont pas de club parce que c'est normalement obligatoire. I know, je suis un ghost. Ok, moi aussi je suis dans le club. Ah, tu me laisserais voler. Ça me gêne pas tant que je peux toucher tes boobs. Ouais, en plus comme ça, on pourra se taper des dialogues entiers d'explications sur la technique d'un avion. C'est super, non? Je suis comme un héros, tu vois, je te sauve ton club. Mais t'as déjà un club, toi. Je pense que t'as pas le droit. Sérieux, tu peux cumuler plusieurs clubs. Je pensais que tu pouvais pas. En même temps, robot, aviation, tout ça, c'est de la technique, hein. Everyone naturally look over toward Kotori. Ah, Kotori, elle a levé la main. Vas-y, tourne. Genre, non, je vous ai pas vu. Je ne suis pas là. Oubliez-moi. T'es sérieuse? Putain, la casse-couille, hein. C'est bon, on va le trouver le membre. J'ai foutu, je vais lui taper Kotori. Je vais l'embarquer avec son fauteuil roulant. Elle peut pas choisir où elle va, de toute façon. Oh, sérieusement, faut qu'on dégage du garage si on n'a pas le quatrième membre. Vas-y, c'est bon. Il a pas de club, le débile, là. Je sais plus comment il s'appelle, mon pote blond qui a une copine. C'est vrai que le glider, ça va être évite et pas facile de le ranger ailleurs que dans un garage. Je sais plus quelle journée dans l'histoire du jeu, c'est pas grave. Y a pas de problème, je te l'ai trouvé, moi, ton dernier membre. Hey, mais y a ta gueule. Y a pas un truc interdit de mettre des canards dans un club? On va prendre ta gueule. C'est ça, casse-toi, toi, je t'aime pas, t'es méchante. Habane-san, bukatsu haite nai yo ne? Meigi dake demo kashite moraenai kana? Ouais, sérieusement. Haritai hito mitsukaru made de ii kara sa. T'as pas de club, qu'est-ce que ça peut te foutre de mettre ton nom dessus? Non, t'as envie de faire ta casse-couille. Okotowari yo. Vas-y, paye ta jalousie, sérieusement. C'est pas grave, moi je suis dans le club, hein. J'ai pécho, puis t'as tiré à te faire mettre avec ton fauteuil roulant, tant pis pour ta gueule. Hein. Pff, non, mais c'est une tête de. C'est une. Comment on dit? Atamaga katai en japonais. On dit la tête dure, elle est têtue. Là, ça va passer. On va discuter sur l'oreiller ce soir. You guys. Je suis un homme, mais pas les autres, mais c'est pas grave. Mais y'a pas de soucis. Bon, on l'a pas encore sauvé ton club, mais. Mais oui! Vas-y, tu vas me laisser conduire l'avion, là, ça va être classe. Non. Ouais, puis attends, Kotori aussi, elle aurait voulu prendre l'avion. Pff, non, mais elle a encore un pet au casque. Elle a ses règles. Amane-senpai wa katsudou jisseki nitsuite, fukukaichou-san ga nattoku suru yona neta wo matomete oite kudasai. Ouais. Vas-y là, Genki d'acheter. Hein? Tatakau, fighto. De quoi? Ouais, bah c'est. Bah oui, c'est intéressant, attends, c'est plus intéressant. Ah, la robot, ça doit être intéressant aussi, mais bon. En même temps, elle est tout le temps en train de rien foutre à l'école, là, je la vois tout le temps en train de discuter. Super. On va pas pouvoir faire grand chose. Si, tu pourras me dire de pas m'exciter parce que ça vole.
Ah non, moi je comprends pas ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. D'accord. Ouais, c'est plus sympa de le faire voler que de voler avec. C'est un bon principe. Ce sera une bonne, un bon ingénieur, toi, plus tard. Ouais, bon, ça prend. Bah, j'imagine qu'il y a un. Bah, ça. À mon avis, c'est pas une légende. Je pense qu'elle a vraiment doublé pour faire son avion. Ah, en même temps, ça sert à rien qu'elle aille en cours. J'imagine qu'elle les connaît, les cours, depuis le temps. Ouais, on n'est pas sûr en fait, hein, que c'est à cause du club qui redouble tout le temps. Mais c'est clair que ça serait dommage de le fermer. Ouais, on a besoin d'un membre. Vas-y, viens, on va faire des petits papiers de propagande, puis on va les distribuer dans la rue. Bah ouais. Vas-y, viens, viens. Ah. Hey, mais tu nous saoules avec ta gonzesse là. Si elle est trop jalouse, t'as qu'à en trouver une autre. Vas-y, Aegia, elle est OP là. Allô quoi. Je suis désolé, j'ai un job à mi-temps et j'ai une copine, je peux pas y aller parce qu'il y a trop de filles. Voilà, on le dira pas, puis elle va pas nous saouler. Eh, sérieux, ta meuf, elle a des espions dans l'école, mais faut changer de copine là, ça devient inquiétant quand même à ce niveau-là. Hein. Eh, mais ce mec est un sale con. Non, mais sérieusement. Vas-y, et mets-lui un coup de genou dans les bijoux de famille. Juste pour remettre les idées en place. Ouais, bah on viendra pas à ton concert, sale con. Ouais, c'est ça. Je suis déjà un membre, mais merci pour ta présence d'esprit. Bah ouais. Non, c'est un con, on a pas besoin de lui. Pipi, c'est ça. Eh, mais c'est un gros con ce mec, sérieusement, c'est quoi ce personnage? Ouais, sérieusement, vas-y, viens, on le pousse dans l'escalier devant. De quoi? Eh mais sérieusement quoi. En plus tu sers à rien, on comprend même pas de quoi tu parles. Allez salut. Ouais c'est un con. Le mec il profite de son adolescence à mon avis. Laisse tomber c'est un con, il reviendra quand sa copine l'aura lâché. Il viendra pleurer. Lâchez-le. Il va le faire pleurer. Je sais pas ce que c'est le Cobra Twist, mais ça va faire mal. Rotalu comme hier, Dozenshi. Rotalu. First grade, excuse-moi. Ah! Ça va? Bien, la petite sœur. En plus, on rentre dans la classe des premières années, en général, ça a des étages différents en fonction des années, donc du coup, en général, c'est la panique quand t'as les senpai qui débarquent dans les classes des premières années. Et il est en train de percuter que t'es bonne, je sais pas. D'accord, elle est en uniforme. Bon, d'accord. T'as l'air plus grande. C'est pas un junior, c'est pas un Kohai, c'est... Donc en fait, Senpai, l'inverse en général qu'on connaît moins, c'est Kohai, c'est en dessous. Don't tease the junior. Je la tease pas là, en plus, parce que c'est dire teaser.
c'est encore pire. Elle a plus de boobs, mais question de goût, hein. Et prendre l'assurance, bordel, au lieu de te cacher derrière ta sœur, sérieusement. Un homme à l'intérieur. Ouais, bah t'es une femme à l'extérieur, c'est tout ce qui compte, hein. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu avant, moi, perso. C'est quoi le souci? Je peux pas te complimenter sur ta tenue, toi. Tout de suite, tu prends la mouche. J'ai rien dit. Bon. Ah ouais, bah taper dans les côtes, ça picouille. Ça picote. Elle me tape et elle me dit que je suis cool. C'est quoi ce délire? T'es un peu bipolaire, toi, madame. Et en plus, je me fais taper dans la classe des premières années. Super. Comme ça, tu m'affiches direct. Me péter une côte. Ouais, on est venu pour lui demander de rejoindre le club. Bah oui. Allez, viens, on est bien. On est bien, 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 bien. What? Sérieux, t'as un souci avec moi ou quoi, toi? Y'a un truc que je sais pas, ou t'es amoureuse de moi, mais tu veux pas te mettre entre moi et ta sœur, je sais pas. Sérieusement? De Dieu! Excuse bidon number one. Je dois aider à la maison. Oui, en plus, c'est vrai, c'est ta sœur qui est à côté, donc tu peux pas nous mitonner là-dessus. Ouais, vas-y, viens si jamais tu veux. Quand, ou alors, essaie de sortir une excuse plus valable. Que l'excuse bidon que même ta sœur. Oh putain, hé, fin des cours. Yo. Sérieux, t'as cuisiné toute seule, toi? Bah oui, tu te débrouilles bien. On va marinader le concombre. Bah j'en sais rien, je viens d'arriver. Bon bah salut. Sérieux, elle va me faire la gueule sous prétexte que je rejoins l'autre club. Allô quoi? Viens dans le club. Ah ouais, non mais elle est hyper intéressée en plus, c'est ce qu'il est en train de dire là. Elle est intéressée par l'histoire de l'avion, du truc qui vole, du ciel, tout ça. Comme un bébé, comme un enfant. Ah ouais, en plus l'expression et tout, il doit y avoir un truc là-dessous, hein, une histoire personnelle. C'est quoi le souci? Quoi, Mosugu? Qu'est-ce qui t'est arrêté? T'es arrivé? Sérieux, je peux pas te demander un truc? Bon. Ouais. Ah! C'est parce qu'en fait, dans les épisodes précédents, elle a fait tomber une lettre d'abandon, qu'elle voulait d'abandon de l'école, en gros, elle voulait quitter l'école. Il l'a chopé la lettre, elle la retrouve pas, donc c'est pas comme, on pourra plus la réécrire, c'était trop simple. Et du coup, il lui a pas dit qu'il avait la lettre, mais elle pense et elle a compris qu'en fait c'est lui qui l'avait. Et donc là, il vient lui demander pourquoi tu vas arrêter l'école. Pim-pom, Atari! C'était moi! Luis Joel Notice? What? Genre, le mec, il vient de lui dire qu'il lui demande pourquoi elle veut abandonner l'école alors qu'il n'y a que dans en ramassant sa lettre qu'il aurait pu le savoir. Et là, il fait genre, il sait pas. Ouais, il fait genre, le mec, il sait pas. Je m'en fous, tu peux pas me taper. Big Mini? J'y mets, oui, j'y mettais-le. J'y mets-le, c'est maltraiter quelqu'un.
Par exemple, les GBLU à l'école, c'est si tu maltraites jusqu'à ce qu'ils se suicident. Hein. C'est... Quoi? Non, merci. Ça va, je vais bien me porter. A barrage of parting shots. Elle m'a acheté des trucs à la gueule, non? Soit. Eh bien, les amis, je vous dis que c'est déjà fini pour aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de faire mes pauses de vidéo au moment où ça fait petit texte, machin, fly away, de fly, de comme ça, de fly away, de fly away. Eh bien, je vous invite comme d'hab, hein, vous laissez des pouces verts, des commentaires, vous dites si ça vous plaît toujours. Ah ouais, peut-être que ça vous intéresse plus. D'ailleurs, si vous avez entre-temps d'autres, déjà d'autres visual novels, si possible, doublés. Que ce soit en français ou en japonais, ça me choque pas plus que ça. Peut-être en japonais, ça va être hardcore s'il y a vraiment trop de kanji, parce que je vais mettre du temps à lire, mais... Si vous avez des visual novels que vous connaissez, que vous recommandez, qui sont sympas et doublés, parce que si c'est pas doublé, ça va vraiment être chiant, n'hésitez pas à le mettre. Donc, et on oublie Katawa Shoujo. Et pour plein de raisons, en fait, j'ai pas envie de faire du Katawa Shoujo. Et sur ce, et ben, pouce vert, commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo sur Facebook, et c'est tout. Allez, salut!